Alors choisir l'INSA Strasbourg, c'est étudier à Strasbourg, une ville où il y a 60 000 étudiants. L'INSA, c'est une grande école d'ingénieurs où il y a beaucoup de formations en parallèle, des ingénieurs et des architectes. Donc c'est assez ouvert, on a beaucoup d'étudiants étrangers qui sont là aussi. Voilà, l'environnement est très agréable, on a beaucoup de matériel et des enseignants passionnés. À l'issue de la formation, les jeunes sont pour la plupart embauchés dans l'entreprise qui leur a donné un contrat d'apprentissage. Mais ce n'est pas une obligation, puisque les compétences acquises au cours de cette formation leur offrent des possibilités dans tous les métiers de l'électricité. Ça va du transport à l'utilisation, passant par la conversion, le bâtiment, l'industrie, tout ce qui transforme l'électricité. Alors la formation l'INSA de Strasbourg, elle est double, puisqu'en fait vous avez le côté école et le côté entreprise. Il ne faut pas croire que la formation elle est juste à l'école et qu'en entreprise on applique, mais on apprend aussi au travers des missions en entreprise, on apprend également à l'INSA, et les compétences que vous allez acquérir vont vous aider à devenir des experts dans le domaine et pouvoir se positionner sur des problèmes actuels, mais aussi sur des problèmes futurs. Et on va vous apprendre à apprendre et tout au long de la vie. Le génie électrique traite beaucoup de problématiques concernant l'énergie. On parle beaucoup de véhicules électriques, de voitures électriques, de problèmes d'autonomie. Donc il y a beaucoup de choses à inventer, beaucoup de choses à améliorer, beaucoup de choses à optimiser. Tout ça, c'est des métiers futurs qui sont passionnants et pour lesquels il y a beaucoup de choses à inventer et à améliorer. Alors choisir une formation en génie électrique par alternance, c'est viser l'autonomie financière, c'est viser une expérience professionnelle longue de 3 ans qui vous permet ensuite la plupart du temps d'être embauché. Et c'est également un réseau que vous pouvez construire. Beaucoup de rencontres, des missions qui vous sont proposées dans les entreprises, des missions vastes qui contribuent à votre formation et à votre maturité.